Bonsoir, restez au chaud si vous le pouvez. La nuit promet d'être froide et nous sommes à vos côtés jusqu'à une heure pour tenter de vous apporter un peu de réconfort et de chaleur. Paul et Jeanne vous accueillent au 39-21 aux côtés de Philippe Chartier, le magicien du son et de l'image qui plonge tous les soirs le studio Coluche dans une douce lumière bleutée. Et nous comptons aussi sur vos mails europe1.fr ainsi que sur vos SMS que vous pouvez envoyer dès maintenant au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Alors les SMS, vous attendez, c'est mieux que l'émission démarre pour les envoyer, pour que je puisse les lire. Les mails, vous pouvez les envoyer à tout moment de la journée, europe1.fr, et le standard ouvre tous les soirs du dimanche au jeudi dès 22h30. Donc si vous voulez vous exprimer dans l'émission, n'hésitez pas à appeler dès 22h30 le 39-21. Retrouvez Caroline Dublanche du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Merci d'avoir appelé, j'ai témoigné hier, mais il y avait beaucoup de sujets. Enfin, vous avez appelé, c'est ça, hein, vous n'avez pas pu parler à l'antenne, mais voilà, vous avez souhaité. J'avais passé un petit mail, c'est un mail, moi aussi je suis un peu embrouillée. D'accord, je ne l'ai pas vu, hein, votre mail. Mais... Alors, donc, écoutez, voilà, c'est à propos de ma mère qui m'a esquinté ma vie, qui continue jusqu'à la fin. Moi, j'ai 60 ans. Oui. Et je sais. De quelle façon continue-t-elle aujourd'hui? Eh bien, j'ai été victime d'inceste de la part de mon père. Je vous avais déjà appelé il y a quelques années pour témoigner auprès d'une. Enfin, pour apporter mon témoignage, une dame qui savait que son mari était incestueux et qui relativisait, donc je m'étais empressée de dire combien de dégâts ça pouvait faire. Voilà, donc ma mère, elle était complice, elle a toujours protégé son mari, elle a toujours, pas qu'elle, hein, toute la famille avait mis le couvercle sur cette affaire et puis avait bien oublié de me protéger, quoi, parce qu'avant moi, il y avait eu d'autres personnes dans la famille. Qui avaient été victimes D'attouchement. De votre père. Tentative de mon père, voilà, oui. Et vous pensez que votre mère était au courant? Avant, oui, tout à fait, avant moi, oui. Oui, avant, elle savait qu'il avait ce comportement-là. Oui, tout à fait. Mmh. Oui, en plus d'une violence, de menaces, de... voilà. Et puis, j'ai réussi quand même à un jour, elle a réussi à me dire, à me faire dire ce qui se passait, parce qu'effectivement, j'étais moi-même, il était violent envers ma mère et puis violent envers moi. Et puis un jour, je l'ai stoppé en lui disant, écoute, si t'arrêtes pas, je te tue, quoi. Et là, j'avais 8 ans, donc ma mère travaillait de nuit, ce qui lui était facile. Pour faire ses actes. Et le matin, elle est arrivée, elle m'a dit, tu sortiras pas de cette pièce tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe. Et j'ai été obligée de dire. Donc là, ça a été la grande affaire, le commissariat, l'avocat et tout. Oui. Et donc, ça a été des attouchements. Hein. Mmh. Et donc, comment... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été placée dans une famille à ce moment-là? Pas du tout, non, pas du tout. Non, il a émigré dans la cave. Qui? De l'immeuble où on habitait. Qui a émigré dans la cave? Mon père. Ah bon? C'est-à-dire qu'il logeait dans la cave? Oui, il l'a envoyé à la cave. Votre mère? De l'immeuble, oui. Oui, mais si vous me parlez de que là, il y a eu le commissariat prévu, il n'y a pas eu de suite? Il y a eu le commissariat, mais tu sais, j'avais 8 ans et j'en ai 60. Hein. Oui. Donc à ce moment-là, on faisait, on était moins déjà pour recueillir la parole de l'enfant, on ne savait pas le faire. Oui, c'est pas du tout. Donc il n'y a pas eu de suite, malheureusement. Je suis née beaucoup trop tôt. Et puis, quand elle a vu que ça allait être sérieux, qu'il allait risquer quand même, m'a demandé de revenir sur mes dires et de dire que j'avais menti.
Voilà. Et elle m'a c'est même briefée par le mari d'une collègue et, oui. qui était policier et qui lui a dit bah, t'auras de la chance si ta fille tient le coup, quoi. Donc, ce qui fait que je suis passée devant un expert et qui a dit à ma mère, moi je m'en souviens très bien à l'époque, et vous aurez de la chance, vous aurez de la chance, effectivement, je ne suis pas dupe, madame. Ce que vous faites faire à votre fille, elle va le payer toute sa vie, quoi. Elle va être mal toute sa vie, il faut la faire suivre, et ce qu'elle n'a pas fait, évidemment. Ce qui fait qu'arrivée à l'âge adulte, ce qui fait qu'elle s'est remise avec lui, tranquillement. Les faits se sont arrêtés. La violence a continué, malgré tout. Et je suis arrivée à l'âge adulte, bien mal, à l'adolescence, bien mal en point, à l'âge adulte, bien mal à point. Je me suis mariée. Et dès que j'ai attendu mon premier enfant, j'ai été mal. Le deuxième, j'ai toujours été mal. Pendant votre grossesse ou quand ils sont nés ? Le premier enfant, pendant la grossesse. Et à la naissance, une très grande peur que ça ne se reproduise. Votre mari était au courant de ce que vous aviez vécu ? Oui. Comment il était compréhensif avec vous ? Oui, tout à fait. Et puis, mon mari a lui-même demandé à mon père, souvent, de lui dire ce qu'il m'avait fait, et il n'y est, quoi. Il n'y est. La première des choses qu'il a dites à ma mère quand j'ai révélé, c'est faux. Après, il a dit, c'est elle qui m'a provoqué. Enfin, c'était tout et n'importe quoi. Et ce qui fait que... Oui, la deuxième fois, il ne niait pas. C'est-à-dire qu'il était dans, ce qu'on entend dans ces cas-là, dire que c'est l'enfant qui a provoqué l'absurdité. Et après, le couvercle s'est remis là-dessus. Moi, je me suis faite suivre autant que j'ai pu. Donc, vous étiez adulte et vous étiez déjà mère. Oui, et puis vous avez pu parler là. Vous avez trouvé un psy qui a su entendre. Oui, et jusqu'au jour où j'ai réussi à lui faire avouer ce qu'il avait fait en lui redisant tout ce qu'il m'avait fait devant ma mère et il a reconnu, il a écrit. Je lui ai fait écrire. C'est important pour vous qu'il puisse reconnaître ce qu'il vous avait fait et en présence de votre mère. Oui, tout à fait. Et qu'il ait écrit et signé. Bon, c'était prescrit, hein. Et oui, comment vous avez fait revenir sur vos propos quand vous étiez enfant ? Ça a été une deuxième violence qui vous était faite. Tout à fait. Oui. Et donc, elle a voulu à nouveau se séparer de lui parce qu'elle avait voulu divorcer déjà à 8 ans là, quand j'ai révélé. Et là, puis... quand il a écrit donc ce qui s'était passé, c'est à ce moment-là qu'elle a voulu se séparer. Oui. Oui, elle est allée voir un avocat, elle a versé de l'argent, elle a voulu se séparer, et puis elle était très mal, c'était elle qui était la plus mal. Hein. Et donc, un jour, elle m'a dit qu'elle l'aimait et qu'elle ne pouvait pas se passer de lui. Donc là, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle considère que j'étais morte pour elle et j'en ferais exactement pareil pour elle. Et surtout pour lui aussi. Donc pendant 15 ans, il y a eu le... Plus de lien, vide. Plus de contact. Ouais. Le vide. Il est mort. Il est mort. Je ne suis pas allée à l'enterrement, évidemment. Je ne lui ai pas présenté mes condoléances à ma mère. Oui, bien sûr. Et un jour, j'ai eu un appel. Enfin, j'ai eu beaucoup d'appels d'elle, de la part d'appels au secours. Pendant cette période-là, après le décès de votre père, vous voulez dire ? Avant. Pendant la coupure, oui. Un couple infernal. Oh oui. Un couple infernal. Oui, comme vous dites, oui. De la violence, de la prise d'alcool pour elle, des tentatives de suicide. Elle a fait un cancer. Bon, enfin bref, c'était... Une vie de chien pour elle, certainement. Elle était dedans, elle choisissait. Oui, elle était adulte. Était adulte. Moi, pour ma construction de mon enfance, ma construction d'adulte, ma vie de femme, ma vie de mère, et même maintenant, donc un jour, elle m'a appelée, il y a deux ans et demi,
en me disant qu'elle allait mourir. Bon, ça faisait déjà longtemps qu'elle disait qu'elle allait mourir. Hein, oui. Parce que plusieurs fois, avec ses tentatives de suicide, elle essayait d'y arriver. Enfin, en tout cas, elle semblait vouloir mourir. Oui. Et un jour, je l'ai entendu, et effectivement, elle avait l'air effectivement à bout de force, quoi. Donc, elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital, et donc je suis allée à l'hôpital, et effectivement, elle était, en tout cas, en fin de vie, effectivement. Les infirmières m'ont confirmé qu'elle l'était, et quand elle m'a vue, elle est revenue. Et là, il a fallu jusqu'à presque 6 mois pour la sortir de l'état dans lequel elle était, oui. La faire rentrer chez elle et de lui mettre toutes les aides nécessaires pour qu'elle soit chez elle, puisqu'elle voulait être chez elle. Je suis retournée la voir et puis les histoires ont recommencé, les reproches, on a beaucoup parlé, les reproches ont à nouveau recommencé. Et là, j'ai à nouveau fermé la porte. Et maintenant, j'ai reçu un coup de fil encore hier en disant qu'elle me disait adieu, qu'elle espérait que je n'ai pas de remords. Voilà. Que je n'ai pas de remords de ce qui va se passer. Voilà. Elle vous culpabilise, eh ? Elle me culpabilise. Oui, voilà. Quand elle vous dit ça, oui. Oui, elle inverse les rôles. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'elle aurait pu dire, je pensais que c'était elle qui disait qu'elle n'avait pas de remords, ce qui était violent, elle joue sur la culpabilité, parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle peut vous toucher. Oui. Comme si vous étiez, elle vous fait passer pour une fille ingrate, alors que sa mère est mourante, n'est pas présente, n'est pas auprès d'elle. Voilà, ne prend pas soin d'elle. Oui. Essayé, elle occulte essayé. Complètement ce que vous avez vécu, ce huis clos familial vous étiez. Il n'y avait plus rien. Il y avait aucune loi, puisque un père pouvait s'en prendre sexuellement à ses enfants avec la complicité de la mère. Oui. Et vous étiez livrée comme ça à vos deux bourreaux sans rien pouvoir faire. Et puis elle me battait. Tout le total, quoi. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'avait de parents que le nom. Voilà. Mais en aucun cas, ils n'ont pu être des parents pour vous. Voilà. Vous donc étiez livrée sans aucune protection à ce donc couple hier, infernal, comme vous dites. Voilà, hier j'ai reçu donc deux appels. Il y a quelques jours, j'avais eu des appels, mais j'avais effacé le message. Et hier soir, j'ai eu l'idée d'écouter ces deux messages et j'ai pas dormi de la nuit. Et oui, bien sûr, ça vous fait du mal. Et comment me... Enfin, je sais comment me guérir, je sais, mais est-ce que c'est arrivé à d'autres auditeurs d'avoir des parents aussi terribles que ça? Voilà quoi, c'est infernal, c'est infernal. Et oui, parce qu'à chaque fois, c'est malgré tout, elle atteint d'une certaine façon son objectif, hein, voilà, même si vous savez, rationnellement, intellectuellement, que bien sûr que y a pas votre attitude se comprend très bien, se comprend, mais elle joue, c'est un poison terrible, la culpabilité. C'est-à-dire que ce qui devrait être de sa culpabilité à elle, elle la projette complètement sur vous, comme si c'était à vous de vous sentir coupable. Hein, alors qu'elle a vécu, elle est restée auprès de l'homme qui abusait de sa fille. Et lui, elle ne voyait pas, elle lui disait pas que lui devrait avoir au moins même parler de remords, c'est fou dans une situation comme celle-là. On est dans une situation folle et elle renverse la situation en disant que c'est vous qui n'allez pas bien. Oui. Ça a toujours été comme ça. Vous avez certainement des ressources extraordinaires pour pouvoir avoir pu vous construire quand même au prix de, évidemment, on peut imaginer de grandes souffrances, mais pour avoir pu quand même vous tenir debout psychiquement dans un environnement familial où tout était bafoué. Mais où il n'y avait pas de repères, où il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de repères. Il n'y avait pas de mère, il n'y avait rien. Quoi. Non. Ah, oui. Il y a eu des adultes autour de vous
qui ont pu jouer un rôle à un moment un peu structurant pour vous ? Aucun. Vous m'avez pas dit, vous avez des frères et sœurs ? Non, je suis fille unique. Vous êtes fille unique. J'étais au milieu de ce, heureusement de qu'ils ce ont pas eu. Enfin, pour vous, c'est terrible parce que vous auriez pu trouver l'appui auprès de frères ou sœurs, mais quand on voit comment ils se sont comportés. Parce qu'ils étaient fâchés avec tout le monde, avec le comportement qu'il avait, c'était infernal. Oui, donc c'était vraiment, vous étiez pieds et mains liés au bourreau, vous étiez dans un huis clos épouvantable. Oui. Je peux vous lire le mot que je lui ai envoyé, qu'elle n'a peut-être pas lu ou qu'elle ne pourra peut-être pas lire. Oui, si vous voulez, oui. Je lui marque, si tu penses me pourrir la vie avec des appels, c'est déjà fait depuis longtemps. Je me soigne de cette vie et du mal qu'on m'a fait. Et je m'occupe au mieux de mes enfants, de mes petits-enfants et de ma santé. Oui. Si tu es malheureuse, je n'y suis pour rien. Pense au choix, au pluriel, que tu as fait. J'ai pourtant tout fait pour te sauver. Mais je ne peux pas couler avec toi, cela ne changerait rien, ta fille. Voilà. Il y a une attente terrible, même dans ces derniers mots, ta fille. Oui. Il y a aussi de l'amour à travers ça. Oui, parce que c'est ce qui est terrible. C'est celle qui m'a donné la vie, c'est sûr, mais bon, je ne peux pas. Oui, mais un parent, c'est aussi, c'est pas celui qui met au monde. C'est pas seulement que celui qui met au monde, c'est celui qui aide un enfant à se construire. Moi, j'étais trop mal pour élever mes enfants. Oui. Et puis pour faire face à mes angoisses, pour faire face à tout ce qui se présente dans la vie à chacun, j'ai décidé de me faire suivre. Bien sûr. Voilà, j'ai quand on voit que comment. On ne peut pas mettre la faute sur tous ceux qui nous entourent. À un moment, on se remet en cause, on dit « bon, bah, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je vais me soigner, quoi, je veux dire. » Elle en est incapable. Elle est incapable de cette, cette remise en question. À la suite de son cancer du sein, elle a fait une thérapie. Ah bah, elle est devenue copine avec la thérapeute. C'est ce qu'elle vous dit. Ah bon, c'est non, elle j'ai été reçue par la thérapeute. La thérapeute la recevait chez elle. Oui. Elle était aussi folle qu'elle. Non, mais c'était dans le sein d'un hôpital parce que ma mère était travaillait dans. Oui, mais la thérapeute n'a pas à recevoir votre mère chez elle. Non. Bah, je le sais très bien. Je sais très bien. Elle suivait un groupe de femmes qui avait été. Qui avait eu un cancer du sein et qui. Oui, mais elle a bien dû occulter en même temps de parler de ce qui se passait par ailleurs. Elle connaissait mon père, tout le monde. Bah, c'était vraiment la bande de copains et ils trompaient tout le monde. Donc ils étaient manipulateurs. Il y avait un côté pervers. Ah bah, c'était même pas un côté, c'était sûr. Il y avait, oui. Bah, on le voit dans les faits, dans ce que vous avez subi. Il a touché toutes les sœurs de ma mère, la seule sœur qu'elle n'ait pas touchée, il a touché sa fille. Plus ce qu'on ne sait pas. Moi, pendant des années, là, pendant la grande coupure, comme je dis, à chaque fois qu'il y avait un acte de pédophilie quelque part, je téléphonais à la gendarmerie et je signalais, parce qu'ils avaient un camping-car, je signalais... d'aller voir ce que ce monsieur faisait pendant ce temps-là quoi. Oui, parce qu'on voit parfois, c'est ce qui est terrible dans ces histoires, il y a eu d'autres couples comme ça tristement célèbres où la femme est elle-même très très impliquée dans ces histoires-là, c'est-à-dire que c'est l'homme qui commet les abus sexuels mais où la femme a un rôle très très actif. Tout à fait. Parfois, c'est elle qui va chercher les proies. J'utilise volontairement ce terme parce qu'on est dans ce registre-là. Quand elle a su que ses sœurs, soi-disant, avaient été. Enfin, quand elle doutait de ses sœurs, que ses sœurs aient pu être approchées par mon père, elle les traitait de, excusez-moi du terme, mais de salopes. C'était son terme. C'était elle. Vous savez, vous connaissez l'histoire de. Parce que non, vous ne connaissiez pas vos grands-parents. Si. Vos grands-parents paternels et maternels ? Bien sûr, oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu un lien avec eux ? Vous avez pu Avec mes grands-parents maternels, oui, et mes arrière-grands-parents maternels, oui. Mes grands-parents paternels, pas du tout. Enfin, pas du tout. Très peu. Et avec vos grands-parents maternels, que ça se passait comment entre eux et vous ? Grand-mère très aimante, mais schizophrène. Ah, ouais.
Voilà. D'accord. Grand-père mort très tôt, et cette grand-mère schizophrène s'est mise avec un homme qui lui a fait deux enfants. Parce qu'elle a été veuve très jeune avec trois enfants. Et qui la battait, une vie de patachon. Oui, on voit sur des générations de la souffrance, parce qu'on sait parfois à quel point, parfois dans ces psychoses là, que la schizophrénie où il y a un patient, enfin un membre de la famille plus exactement qui porte la souffrance de tous les autres finalement. Oui, j'ai fait la généalogie du côté de ma grand-mère là. Il y a une zone d'ombre terrible. Il y a une zone d'ombre terrible parce que ils sont originaires du Portugal. Oui. Mais quand je suis la première à avoir fait la généalogie. Oui. Et cette grand-mère malade et puis pourtant si bonne, vraiment aimante, elle avait toutes les qualités. Hein. Et comment la maladie n'empêche pas tout. Oui, il n'y avait pas de... Parce que parfois, il y a quand même ce côté un peu inquiétant dans des personnes comme ça qui souffrent de schizophrénie, surtout si elles ne sont pas soignées. Peut-être qu'à l'époque, elles n'étaient pas soignées. Il peut y avoir une froideur, des attitudes complètement inadaptées. Des rires immotivés. Quand elle était en crise, effectivement, moi, j'ai même aidé ma mère à emmener ma grand-mère à l'hôpital. Elle suppliait, quoi. C'était terrible. Oui, donc votre mère, enfant, a dû être... Enfin, d'avoir avec une mère malade, parce qu'on est quand même dans une forme très grave de psychose. Oui. Peut-être vouloir soigner, comme souvent font les enfants. Quel homme elle a choisi? Un homme qui lui-même était très malade, perturbé. Elle a tout de suite vite rendu compte qu'il n'était pas très fréquentable. Oui, mais elle est restée. Et il voulait la vitrioler. Oui, mais la violence était quelque chose de connu d'elle. Puisque dans la psychose, il y a des moments d'une grande violence où les personnes s'en prennent en premier lieu à elles-mêmes, peuvent s'en prendre à autrui. En tout cas, ils sont traversés par la violence. Donc votre mère connaissait bien, elle a baigné là-dedans. C'est presque sa seconde langue, la maternelle. Oui, elle n'avait pas le choix, enfant. Si vous voulez, ça n'enlève rien au fait que du fait comment elle s'est comportée avec vous. Mais parfois, quand vous dites non, je ne cherche pas du tout d'excuses, mais des explications. Donner du sens, parce que donner du sens parfois permet de moins subir sa vie, les événements qu'on n'a pas pu vivre et que vous subissiez complètement enfant, parce que vous avez été ça relevait d'une torture et physique et psychique. Oui. Enfin, tout a été bien bouleversant. Et vous avez donc des enfants, deux enfants et des petits-enfants aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Je me garde bien de reproduire tout ce climat. Tout ce climat, j'essaie du moins. Enfin, vous êtes toujours avec votre mari? Oui, tout à fait. Donc vous avez pu choisir un mari aimant? Oui. Vous avez brisé ce cercle, comme ça, apparemment, de fatalité qui n'en est pas, évidemment, vous avez travaillé sur la psychogénéalogie. Oui. Mais vous avez de sacrées ressources, Une sacrée personnalité. J'ai épousé un homme qui a le même prénom que mon père. Oh là là. On parlait des prénoms. Vous avez poussé loin. Oui. Oui, mais il a le même prénom, mais il n'a que ça de commun. Et même, pardon? Et qui avait une profession qui protégeait. Oui. Et ça, c'est pas démenti. C'est quelqu'un qui a un côté protecteur avec vous. Oui, bien sûr. Et ça le rendait fou, mon père. Une des premières fois qu'il l'a vu, mon père, il a dit je n'épouse pas votre fille pour qu'elle me serve. Je l'épouse pour la servir. Donc alors ça l'a rendu fou, ça. Vos enfants sont au courant de votre histoire? Oui, tout à fait. Enfin, ils ont été au courant. Quand ils ont été un peu plus grands, au moment de l'adolescence, un a compris et l'autre en a souffert et en souffre encore, mais il a réussi à faire sa vie. Il souffre pour vous, vous voulez dire? Oui, tout à fait, il souffre pour moi. C'est un garçon?
Ce sont deux garçons. Deux garçons. Donc ils n'ont pas de contact, ils n'avaient pas de contact avec vos parents. Tout quand ils ont su. Quand ils ont su, oui, bien sûr. Sauf bien quand sûr. Elle a voulu divorcer, là. Mais en plus de ça, ils ont même essayé de me déshériter. Ils ont essayé de me déshériter. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, ils ont été vraiment complètement indignes, oui. Une donation universelle. Bien sûr. Et là, je suis allée voir un avocat conseil, il m'a dit, moi je ne comprenais pas ce que c'était. J'avais un peu entrevu, mais je voulais avoir la certitude. Et quand l'avocat m'a dit ça, j'ai dit, bon, il m'a dit, madame, défendez-vous. Je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, il m'a dit, vous n'avez aucune raison. Et je suis allée voir l'avocat qu'elle avait choisi pour divorcer. Et qu'elle avait évidemment omis de prévenir qu'elle était restée avec lui. Ouais, c'est un couple vraiment terrible, oui. Et c'est lui qui m'a défendue, il a été maître au barreau. Et comment ? Jusqu'au bout, et pendant au tribunal, mon père a même dit, mais écoutez, vous inquiétez pas, si ma femme meurt, parce qu'il pensait que c'était ma mère qui mourrait avant lui. Elle avait eu un cancer, donc elle devait mourir. C'était obligé. Il est très bienveillant, oui. Oui, voilà. Ouais. Je donnerai tout pour la recherche du cancer, contre le cancer. Et là, le président a dit, monsieur, vous n'aviez qu'une occasion de vous taire, c'était celle-là. Vous ne l'avez pas faite, vous êtes débouté. Et leur avocat, mes parents, a dit, mais franchement, écoutez, vous êtes idiot ou quoi ? Ça, on me l'a rapporté après. Bien sûr, oui. Ouais. Donc, ils ont été déboutés. Patricia, il y a Annie qui est avec nous au 3921, qui vous écoute attentivement et je crois qu'il a envie de vous parler. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Il y a Marc qui envoie un petit SMS pour dire que ce serait à votre mère de vous demander pardon. Je crois qu'elle n'en est pas capable. Hein. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir Annie. Merci d'écouter mon appel. C'est moi qui vous remercie. Donc oui, j'ai bien entendu tout ce que Patricia a raconté, ce qu'elle a subi dans sa jeunesse. J'ai exactement connu les mêmes problèmes, mais moi pas avec mon père, mais avec un beau-père. Oui. Voilà, ma mère s'était remariée, donc maman avait déjà deux enfants, moi, et puis j'avais un frère avec 5 ans d'écart, quoi, disons, de différence. Vous êtes de la même génération, hein, à peu près d'ailleurs, que Patricia. Oui, je viens juste d'avoir 65 ans. Hein. Oui. Quand maman s'est remariée, j'avais 8 ans. Et quand j'ai commencé à avoir, 9 ans et demi, 10 ans, il a commencé à m'appeler pour que j'aille dormir avec quand ma mère partait travailler. Et puis, il n'avait que ça, que des attouchements et tout ça. Donc, moi, j'ai toujours gardé ça pour moi. Ah, ne dites pas que des attouchements. Oui. Non. Que des attouchements, c'est si vous voulez, c'est pas la nature des faits qui compte. On peut être aussi traumatisé avec des attouchements qu'avec ce qu'on appelle un viol. Hein, non, moi, il n'a jamais réussi à me violer. Oui, mais si vous voulez, ce qui compte, c'est la nature du lien. C'est la nature du lien. C'est terrible d'être abusé quand l'enfant est abusé quelqu'un avec qui il a un lien, avec quelqu'un qui est censé être de confiance. Vous voyez, souvent, l'enfant s'en sort mieux si c'est encore quelqu'un d'extérieur à lui, qui lui est complètement étranger. Oui. Mais vous savez, Caroline, on dit bien abuser à tous les sens du terme. Hein. J'ai même pensé qu'un viol, au moins, vous pouviez le prouver. Ben oui, parce que vous, malheureusement, vous a fait retirer vos propos. On vous a fait dire que vous aviez menti. On vous faisait passer en plus pour une menteuse. Oui, hein. Voilà. Oui. On vous a interrompu. Pardon, Annie. Oui. Donc, ça a duré une dizaine d'années. Je me suis mariée à 20 ans. Donc, maman fermait toujours les yeux et m'attrapait entre deux portes. Elle le voyait. Une fois, elle lui a fait une remarque. Elle lui a dit « Tu ferais mieux t'occuper de ta sœur » parce qu'il avait une jeune sœur qui vivait avec nous parce qu'elle avait perdu... Elle était orpheline de parents, hein, sa sœur. Et maman lui a dit une seule fois « Tu ferais mieux t'occuper de ta sœur » Il lui a répondu « Je ne peux pas, c'est le même sang. » C'est effrayant déjà, oui, la réflexion. Je n'oublierai jamais. Ah, oui. Et vous n'étiez pas de son sang ? Non. C'était votre beau-père. Maman d'accord. Était remariée. Oui, c'est vrai, vous, c'était votre beau-père. Donc, enfin ça, bon, ça la mère... Oui. Pendant des années, moi, je me suis plaint à la famille. Bon, la famille, au début, ne voulait pas me croire. Il n'y avait que ma grand-mère, c'est-à-dire ma grand-mère paternelle qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle me prenait les 3 mois de vacances...
scolaires, les petites vacances scolaires, j'allais toujours là-bas chez eux. Au moins, j'étais pas en contact avec lui, quoi, tout ça. Vous avez pu dire à votre grand-mère? Oui, je l'ai raconté. Moi, il y avait pas mal de personnes dans la famille qui le savaient. Mais qui se taisaient? Pardon? Qui se taisaient? Oui, non, jamais voulu la faire. Terrible, c'est comme du silence. Ils n'ont jamais voulu l'affronter. Et maman, donc moi je me suis mariée, j'ai eu un mariage, un véritable échec. J'ai eu deux enfants, donc moi je les aimais, quoi, il n'y avait pas de souci, quoi. Et puis un jour mon ex-mari me les a pris. Enfin, leur père les a pris, les a emmenés. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 41 ans que je ne les ai pas revus. Mmh. Oh là là. Donc, j'ai eu la chance après de me remarier en 81. Et là, j'ai tombé sur un mari formidable, très gentil, très aimant. Nous avons une fille, j'ai une fille actuellement qui a 30 ans, que j'adore par-dessus tout et qui me le rend bien. Et comment je vais dire, mais malheureusement, je suis divorcée aussi avec lui. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis seule. Je n'ai jamais vu de psychologue et tout ça. J'ai toujours combattu parce que je suis quelqu'un de caractère. Hein. Je suis une battante, comme on dit. Mais jusqu'à quand, quoi? Donc moi, ça allait que quand je partais travailler, quand j'avais 15 ans, il me suivait en mobylette, il me renversait dans des champs, tout ça, pour essayer d'abuser de moi. Mais j'ai toujours réussi à me sauver de ça. J'ai toujours réussi, je travaillais à l'époque dans un petit atelier de couture, j'arrivais en larmes et tout ça. Mes collègues de travail nous disaient quand même, c'est pas normal. Elles le savaient aussi. Eh oui, mais c'est ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a le poids du silence et on pourrait dire, on en parlait moins à ce moment-là, ça existait toujours, c'est une réalité qui est malheureusement vieille comme le monde. Mais pour autant, je suis persuadée qu'encore aujourd'hui, dans des familles, il y a des gens qui se taisent. Hein. Oui, qui continue à se taire. Je suis quand même contente parce que bon, maman est tombée très malade. Elle a eu en 88 un cancer. Elle est décédée là, le 1er juin 2010. Trois semaines avant, elle m'a téléphoné. Donc moi, je lui ai téléphoné parce que je prenais quand même de temps en temps ses nouvelles. Parce que moi, je me suis toujours dit, une mère, on n'en a qu'une. Même si elle accepte ça, c'est quand même ma mère, quoi, disons. Je lui ai téléphoné régulièrement pour prendre des nouvelles de sa santé. Et là, tout de suite, elle m'attaquait en disant « Tu n'auras rien si je meurs à l'héritage. Tu n'auras rien, ni toi, ni ton frère. » Alors que vous appeliez pour prendre des nouvelles de sa santé. Elle vous parlait argent et héritage. Ils ne sont incapables d'aimer, ils ne savent pas aimer. Voilà, exactement. C'est ça. Mais maman, je ne t'ai jamais parlé d'argent. Je ne te téléphone pas pour ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc, mon frère est allé aux obsèques. Mon frère est allé aux obsèques. Et moi, ils ont interdit mon frère de me prévenir du décès. Je n'ai pas pu assister au décès. Donc, aujourd'hui, elle est décédée. Donc, moi, dès qu'elle est décédée, j'ai téléphoné au notaire pour connaître mes droits. Et là, il m'a dit, rassurez-vous, il n'y a pas de testament, il n'y a rien, vous êtes héritière. Mais quand vous dites on a une mère, on n'en a qu'une, mais je comprends, mais en même temps, ça rejoint ce que vous disiez, Patricia, c'est-à-dire qu'il suffit pas de mettre un enfant au monde pour être parent de cet enfant. Voilà, oui. Il y a des personnes qui ils mettent des enfants au monde, biologiquement, oui, ils mettent des enfants au monde, mais ils sont incapables d'être parents, de les aimer, je vais dire ce mot, oui, il y a des personnes qui sont incapables d'apporter de l'amour à un enfant. Oui, alors évidemment, elle avait et d'aimer de façon générale. Parce que j'avais un demi-frère, elle avait eu un autre enfant, donc c'était tout pour lui, à lui c'était la vedette, c'était tout pour lui, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, mon frère et moi, nous avons hérité d'une partie de la maison, parce qu'il y a des lois qui nous protégeaient quand même, quoi, disons. Mais on va dire ça comme ça, quoi. Vous ne le voyez plus? Mon beau-père actuellement, depuis le décès de ma mère, je ne veux plus mettre les pieds là-bas. Je ne mettrai plus les pieds là-bas. Parce qu'elle, elle a vécu jusqu'à la fin avec lui. Ah oui, puis il y a eu de la violence. Hein. Moi, je me souviens qu'un jour, elle l'avait surpris entre deux portes me faire des manières. Il avait attrapé un couteau, il voulait l'égorger devant moi. J'avais 11-12 ans, quoi, disons. Oui, tout est fou, tout est violent. Il avait pris une chaise, il lui avait dit « Assieds-toi là », et le couteau sous la gorge. Et mon frère avait 5-6 ans à l'époque.
Mmh. Ouais, c'est effrayant. Ah oui, non, moi j'ai oui, c'est effrayant. Se menacer de se défenestrer, les ouais. démonter sur le bord de la fenêtre du quatrième étage. Mmh. Il voulait soi-disant sauter. Mmh. Hein. Mmh. Ah oui. Ah non, tandis que lui, c'est toujours cru tout puissant. Oh oui, très autoritaire. Très autoritaire. Oui, plus les coups. Vous avez lu le roman de le livre, c'est pas un roman de Christine Angot, Une semaine de vacances? Non. Les éditions Flammarion. C'est elle parle de l'inceste qu'elle a vécu avec son père. Qui était, je l'ai pas lu. C'est un livre choc, hein, qui prend comme un coup de poing, mais je trouve que c'est un livre qui est salutaire parce qu'effectivement, on parle de cette réalité-là. Alors certains ont critiqué en disant oui, c'est très violent, c'est très cru. Mmh. Oui, comment il pourrait en être autrement? On est dans l'impensable, on est dans le cru, on est dans le, c'est la destruction. Votre histoire, les gens ont l'air ont du mal à entendre, oui. Ont du mal oui, à entendre. Moi, quand mon frère a eu ses trois enfants, parce qu'il a trois enfants, le premier c'était une petite fille. Il s'est trouvé qu'un jour j'étais chez eux et moi j'ai vu tout de suite qui allait commencer ces cochonneries avec cette petite. Hein. Elle avait, 5 ans peut-être à l'époque. Ah oui. Là, j'ai prévenu tout de suite ma belle-sœur et je lui dis, écoute, il faut plus que tu ailles là-bas avec la petite. Non. Je lui dis, et là, je lui ai tout raconté et elle a beaucoup protégé sa fille. Ce qui a permis de protéger cet enfant. Voilà, voilà exactement. Mais il y a le livre de Christine Angot, Une semaine de vacances, où elle parle de ce qu'elle a vécu avec son père. Et il y a le très beau livre aussi de Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit, qui est aux éditions Lattès, où elle parle. C'est un livre où elle parle de sa mère. Elle parle de sa mère et donc de l'histoire familiale. C'est un très beau livre hein, aussi qui prend au cœur. J'écoute toujours vos podcasts. Je pourrais prendre note. Oui, bah Delphine de Vigan, plus loin Vigan, VIGAN. Rien ne s'oppose à la nuit. Mm-hmm. C'est aux éditions Lattès. Et puis Christine Angot aussi, Une semaine de vacances, qui aborde ce thème. Hein. J'ai vu le film Festen. Oui. C'est cette révélation. Mais moi, j'avais pas de famille, donc. Tout le monde était bien silencieux, mais lui c'est pareil, il était d'une famille très 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 comment très quoi on va dire. Comment socialement bien non pas du tout très, très très moche quoi disons que... Oui mais ce qui est pas tout il faudrait pas penser pour autant que l'inceste n'a lieu que dans les milieux défavorisés et vous verrez justement dans le livre de Delphine de Vigan livre de Christine Angot ça touche tous les milieux ça touche tous les milieux donc il y a des milieux très favorisés socialement tout à fait corrects et où malheureusement cette abomination a lieu aussi parce qu'on pourrait dire bah oui ça se passe chez les pauvres le carmonde l'alcool aidant et tout ça pas du tout tous les milieux sont concernés. Il était même pas alcoolique, il était pervers il avait même pas besoin de. En tout cas, les livres que j'ai cités, puisque vous m'en parliez là, c'est tous les livres qui sont cités dans l'émission. Vous pouvez les retrouver le lendemain matin sur le site aussi. Hein. Donc voilà. D'accord. Moi, j'écoute les podcasts. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on se couche bien tard quand on vous écoute. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça vous permet comme ça d'écouter à une heure plus raisonnable. Voilà, tout à fait. Mais je vous remercie beaucoup toutes les deux, Patricia et Annie, d'avoir témoigné sur ce sujet difficile. C'est très difficile après. Vous avez raison, Patricia. Mm-hmm. Faut vivre. Puis bon, moi je vous dis, là elle a menacé, elle m'a dit adieu, comme vous dites aujourd'hui, vous essayez de vivre avec tout ça, malgré tout. Vous avez vos enfants, vos petits-enfants, et c'est ce qui compte. Oui. Enfin, c'est ce qui compte, c'est-à-dire, et même si vous l'avez dit dans votre lettre, hein, vous l'avez dit que vous avez essayé de tout faire pour la soigner. Oui. C'est pas maintenant, vous n'arriverez pas à soigner, même si on sent que vous attendez encore aujourd'hui d'elle des paroles ou des explications, ou en tout cas de la compréhension ou une demande de pardon. Je crois qu'elle est hermétique à ça. Elle ne peut pas.
Il y a Zélie aussi qui cite une association qui l'aide beaucoup, c'est sosinceste.org qui est à Grenoble avec uniquement des bénévoles. Oui. Ah oui. Et on peut appeler. C'est un site. Oui. C'est sosinceste.org. Vous pouvez les contacter, oui. Mais bon, ce qu'il faut, c'est surtout que les victimes parlent au plus vite et puis. Maintenant, oui, il faut libérer cette parole dans les affaires d'inceste, voilà. Dans les affaires de viol aussi. Oui. C'est important de parler, de sortir de ce tabou terrible et du poids de la honte et de la culpabilité que portent les victimes. Oui. Mmh. Oui, surtout qu'on vous menace, on vous. Moi, je sais qu'il me menaçait, il me disait ta mère se suicidera. Voilà, il y a ce chantage, voilà, il y a ce chantage terrible. Oui, oui. Tous les chantages, tout était bon, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Oui. Je vous remercie. Bon courage, c'est moi qui vous remercie, toutes les deux, d'avoir témoigné. Merci. Et puis, merci à votre auditrice aussi d'avoir appelé, puis à ceux qui ont écrit. Merci beaucoup. Bon courage à vous deux. Au revoir. Merci. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39-21, 34 centimes la minute. Oui, l'amour est mal coiffé, l'amour non identifié, l'amour est un clandestin. Si l'amour est voyageur, l'amour pousse à l'intérieur, et l'amour a toujours faim. L'amour est mystérieux, l'amour c'est un malheureux, mais l'amour est un héros. Marc Lavoine, j'ai vu la lumière. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors Michel me dit, envoie un petit SMS pour dire vous me faites peur avec toutes ces histoires. Moi qui suis séparée d'une femme qui a subi des viols pendant des années de la part de ses parents et qui a la garde de notre enfant, y a-t-il un risque qu'elle reproduise cela sur mon fils ? On l'entend bien, Michel, on l'a entendu avec le témoignage de Patricia et Annie. C'est pas parce que elle a été abusée dans son enfance par ses parents qu'elle va répéter cela sur son enfant. C'est pas, on n'est pas dans le, il n'y a pas de systématisme là, il n'y a pas de déterminisme. Les enfants qui ont été abusés ne deviennent pas systématiquement à leur tour des parents maltraitants ou qui commettent des actes incestueux. Il est vrai que parmi les personnes, souvent chez les pédophiles notamment, on rencontre très fréquemment des gens qui, eux-mêmes, dans leur enfance, ont été victimes d'abus sexuels. Il y a là une. Ce qui ne veut pas dire que tous les enfants abusés deviennent des parents maltraitants ou qui abusent sexuellement de leurs enfants. Il y a quand même une grande différence. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu. Nerveux, pardon. Voilà, je vous téléphone parce que je suis un peu pour un témoignage, un peu pour des conseils aussi. Mm-hmm. Je vis sous l'effet des addictions depuis très longtemps. Oui. Et j'ai beaucoup de mal à m'en sortir, en fait. Plusieurs addictions ? Bah oui, c'est-à-dire que j'ai commencé assez jeune à fumer du hashish. Après, j'ai joué dans les casinos, j'ai joué au jeu. Mm-hmm. Et puis, je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'addiction, j'ai travaillé aussi d'une façon addictive. Et puis, je crois que la façon dont on exprime l'addiction n'est pas très importante, c'est l'attitude, c'est le comportement surtout qui compte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que. On peut manger, après... on peut coucher avec les femmes, ou on peut trop travailler. Ou... Oui, c'est ça. Ça porte sur de multiples domaines. Hein. Les addictions sont assez étendues, mais c'est une personnalité. C'est toujours la rencontre d'une personne, d'un produit, et puis d'une histoire à un moment donné aussi, hein, dans un contexte particulier. Donc, il n'est pas rare que certaines personnes comme vous
et plusieurs addictions, parce que c'est lié à une personnalité. On voilà. a tous, bon, plus ou moins, il y a une forme de dépendance. Oui. Le terreau, si vous voulez, commun à toutes les addictions, c'est des carences hein, affectives, souvent précoces. Mais voilà, je suis en plein dedans, en fait. J'ai appris ça, en fait, parce que je me suis toujours demandé d'où ça venait, cette addiction. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas comment, à travers un bouquin ou une discussion que j'ai entendue. Et ça, c'est le témoignage d'une carence affective. Je suis en plein dedans, quoi, j'ai l'impression. Mais c'est-à-dire que donc, j'ai l'impression que ça fait partie de ma personnalité. Oui, c'est ça. Il y a une votre personnalité, c'est construite comme ça. Il y a une dépendance, il y a donc une plus grande fragilité, hein, certainement. Pour autant, ça ne veut pas dire que les choses sont figées comme ça définitivement. C'est-à-dire oui. qu'on peut travailler. Oui, on peut faire évoluer ça. On peut travailler sur ce manque, sur ces carences, pour finalement être moins se libérer petit à petit de ses dépendances. On peut s'en délibérer à partir du moment où on se construit. Et il est toujours possible de se construire. De venir combler des manques, d'élaborer finalement. Thérapie, c'est ça. Hein, c'est qu'on va mettre des mots sur des manques. Et parfois, des manques qui ont... C'est compliqué, c'est un travail un peu de longue haleine parce que ça a pu se passer, mais vraiment très précocement dans la vie. Oui. Puisque quand on vient au monde, on est tous dépendants, hein, bébé, nouveau-né, pour notre survie de nos parents, de celui qui, de ceux qui en tiennent lieu. Oui. On ne pourrait pas vivre sans ça. Cette dépendance est nécessaire, elle nous permet de vivre. Mais on en garde des traces dans notre psychisme et dans notre corps. C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi dans le corps. Donc, petit à petit... si vous voulez, autant le quand on est petit bébé, dès que on a froid ou faim ou on va crier, on va appeler pour faire venir notre mère ou celle qui en tient lieu. Et donc, il est important que dans les premiers temps de vie, la mère réponde tout de suite. Qu'elle soit très présente. Hein. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le bébé grandit, on peut différer un peu la demande parce qu'il garde le souvenir en lui du fait que quand il y a manque, quand il y a souffrance, parce que ça crée de la souffrance d'avoir faim, d'avoir froid, il va y avoir une satisfaction, mais elle peut être un peu différée. C'est-à-dire qu'on commence aussi à laisser un peu de frustration se mettre en place pour pas combler tout de suite ce besoin, parce que finalement après, si on est toujours comblé, si la mère anticipe trop les besoins de son bébé, elle va aussi ne jamais lui faire éprouver le manque. Donc après, on va se réfugier pour pas avoir de manque dans tout ce qui tombe sous la main, quoi. Ça, c'est l'autre extrême. C'est l'autre extrême, c'est ça. Trop d'agression, trop de présence. Oui. Trop d'angoisse, finalement. Hein, c'est ça, quand on anticipe à tout prix, ce sont souvent des parents très, très anxieux. Oui. Alors, il y a ceux qui sont pas assez présents, donc il y a beaucoup de carences, et puis ceux... Oui, puis après, il y a des histoires de vie, hein, des histoires singulières. Vous travaillez là-dessus sur, mais en fait, sur ce problème? Non. Enfin, j'ai suivi une psychothérapie il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai arrêté il y a un an et demi, parce que je pensais que c'était fini. Ah, oui. C'est peut-être un peu trop tôt. Bah, peut-être que c'est un peu trop tôt, finalement. Je commence à me poser la question, peut-être que je devrais retourner voir quelqu'un. Parce que rester tout seul, en fait, je m'isole, parce que c'est pas juste le jeu, il y a aussi beaucoup de conséquences derrière. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup d'isolement, de frustration. Je peux pas rester à m'isoler. Non, surtout pas. Et donc, je me dis que je vais sûrement y retourner pour travailler. Vous vivez seul? Oui, en fait, j'ai toujours été seul, en fait. Je,
je fais partie de ma vie, quoi. D'être seul. Oui. Mmh. Mmh. Enfin, j'ai deux enfants. J'ai deux enfants. D'accord. Je suis séparé. Oui. Et puis, bon, bah, ça se passe bien. Enfin, normalement avec les enfants, parce que je leur faire comprendre que c'était pas de leur faute. Et j'essaie de les aimer, même en étant loin, en les voyant assez peu souvent. Et enfin, bon, j'espère que ça passe, quoi. J'espère qu'elles m'en veulent pas trop. Mais elles sont à l'étranger, elles vivent dans un pays étranger. D'accord, oui. Puis, en fait, j'ai fait une grosse dépression. Oui. J'ai fait des pelades, j'ai perdu tous mes cheveux. Enfin, moi, j'essayais d'aller mieux. Et puis, là-bas, j'étais séparé déjà de mon ex, de la mère de mes enfants. Oui. Et je suis resté 6 ans à côté. Je suis resté 10 ans en tout cas à l'étranger, mais je suis resté 6 ans étant séparé. Et puis, j'ai eu beaucoup de stress, un travail difficile, une situation difficile, j'étais encore très seul là-bas. Et puis, j'ai fait une grosse dépression, donc je suis retourné en France. Parce que je me suis dit, il va falloir que je travaille. Après la séparation, la dépression, à quel moment ? Ça a été, oui, après 6 ans de séparation, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et c'est pas bien passé également. Et puis, également, c'est pas bien passé, je veux dire. Et puis, je sais pas, je suis allé au travail et puis on m'a dit pourquoi tu vas pas chez le coiffeur. Et puis, j'avais une grosse pelade derrière, j'avais pas vu. Mm. Et quand j'étais en contact avec beaucoup, beaucoup de gens, je me suis senti, j'ai perdu tous mes cheveux du jour au lendemain. Et je me suis du jour au lendemain. Ouais, pratiquement. En une semaine, j'avais plus rien. Et puis là, je me suis pas rasé pendant 2 ans, des choses comme ça, puis c'est revenu. Mais ça reste, ça s'en va et ça revient encore. Mais un peu moins important. Mm. Parce que je suis... je suis rentré en France, j'ai fait un travail sur... j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes en France parce que je connais pas grand monde. Mm. Et puis je voulais juste remercier le Secours Populaire aussi parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Oui. Ils m'ont trouvé oui. une chambre. Oui. De toute façon, pour 6 mois. Puis après, c'est bien passé. Ils m'ont donné la chambre d'une façon permanente. Un hôtel social, c'est pas terrible, mais bon, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est un toit, oui. C'est un toit, exactement. Mm. Moi, je me suis fermé à toi, je me sens bien ici. Et puis, il n'y a pas de honte, de toute façon, à avoir des difficultés. Non, bien sûr. Non. Et puis, j'ai fait une quête sur mon passé. J'avais besoin de... Enfin, j'ai pas vu beaucoup ma mère dans ma vie, donc j'ai besoin de la revoir. J'ai besoin de revoir mon père aussi. Et puis, j'ai vu tous les membres de ma famille comme ça. Et puis voilà, ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien ? Ça vous a apaisé de les revoir ? Ouais. Oui, énormément, parce que ça n'a pas forcément bien passé, mais au moins, j'y pense plus. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas disputé ni quoi que ce soit, mais j'ai pas. Vous éprouvez moins, vous êtes moins dans cette quête, dans cette attente d'avoir pu mettre un visage, un corps sur eux, c'est important pour vous. Oui, et puis les avoir revus, puis aussi dans une période où j'étais dans une situation difficile, parce que je n'ai pas toujours été en situation difficile financièrement. Mais vous voyez, quand je disais que souvent la dépendance, elle s'inscrit en nous, non, psychiquement, mais aussi physiquement, la pelade que vous avez, toutes ces réactions, tout ce qui touche à la peau, comme ça, au cuir chevelu, souvent des réactions psychosomatiques très très fortes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment, c'est au-delà des mots, c'est le corps qui s'exprime aussi, et de quelle façon. Parce que, et c'est là où un travail sur vous, quand je disais élaborer, c'est retraverser des émotions, c'est pas qu'un travail intellectuel, c'est un travail aussi autour de l'éprouver, de ce qu'on éprouve dans son corps, parce que quand il y a une personnalité comme ça qui est vraiment dans la dépendance, je vous dis, c'est souvent lié à des expériences très précoces dont on n'a plus le souvenir forcément, mais qui se sont inscrits en nous, parce que tout s'inscrit en nous et aussi physiquement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir le retravailler. Et comme vous dites, vous avez certainement arrêté trop tôt parce que vous alliez mieux. Mais oui. Étant donné qu'elle s'est toujours là, ça, c'est à retravailler, parce que c'est pas parce que vous avez cette problématique-là que vous ne pouvez pas vous libérer de vos addictions et de cette fragilité. Et avec peut-être un thérapeute qui aussi connaît bien le problème des addictions et des dépendances, c'est important. Oui, bon courage merci Xavier, beaucoup. Merci de votre appel. Au revoir. Merci. We'll be right back.
ensemble encore pour une heure d'émission. Et oui, on n'allons pas faire l'émission jusqu'à 4h30 du matin, comme le disait Jérôme Commandeur ce matin. Vous êtes nombreux à me demander si j'ai apprécié l'imitation de Jérôme Commandeur. Oui, comment ne pas apprécier ? Évidemment, il a un talent fou, ce garçon, et à chaque fois, c'est une récréation de l'entendre. Il me fait hurler de rire, comme vous, j'imagine. Donc, j'ai bien aimé aussi le sponsor de l'émission dans le registre Scato. Voilà, donc non, moi c'est toujours un bonheur de l'entendre. Allez, on va continuer avec vos appels au 39 21 et un petit peu de musique avec Florent Pagny. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Caroline, merci de prendre mon appel. Bonsoir à tous les auditeurs. J'ai entendu en fait le message des deux premières auditrices concernant en fait l'inceste. Oui. Et je n'ai pas pu faire autrement que de vous appeler. Oui. J'ai appris il y a 5 ans en fait que ma mère avait été agressée apparemment par le frère de sa maman, de sa mère à l'époque. Enfin, ça a toujours été assez flou. Et il y a donc c'est une personne qui était de la même génération que les deux auditrices précédentes. Oui. Et moi, je l'ai suivi à 5 ans. Mais avant, j'ai connu une mère qui n'a pas pu être mère. En tout cas, c'est le bilan que j'en fais. J'ai connu une mère qui buvait. Qui s'automutilait, qui faisait des tentatives de suicide régulières et fréquentes. J'ai connu une mère qui ne mangeait plus, qui passait par des phases de boulimie. J'ai connu une mère dont aujourd'hui, avec un peu de honte, je dis que j'avais honte, parce que en tant qu'enfant, quand vous avez 6-7 ans, il y a le regard des autres, des amis, de la famille, et puis il n'y a pas de lien, quoi. C'est quelque chose d'assez déstructurant. Et en fait, j'ai appris, 40 ans plus tard, j'allais pas dire le pourquoi du comment, mais j'ai porté un autre regard sur ma mère à ce moment-là. Je ne dis pas que toutes les personnes agressées ne peuvent pas être de bonnes mères, mais je comprends que ça peut être un handicap. Oui, mais c'est une destruction. Ouais, elle s'en est pas. Psychiquement, le viol, ça correspond. Il y a une dimension de meurtre sur le plan psychique. La personne reste en vie, mais on tue une partie d'elle. Il y a quelque chose d'une extrême violence. On m'a toujours parlé d'elle comme ça. On m'a toujours dit qu'elle était en souffrance, qu'elle a, je crois, essayé de se détruire, enfin d'oublier. Oui. Et en s'en prenant à son corps, d'ailleurs aussi. Par les automutilations. Elle était agressive vis-à-vis des autres. Mais elle se détruisait avant tout elle-même. Et moi, j'en avais rien à faire parce que j'étais plus jeune et que moi, je voyais que moi. Vous n'en aviez pas rien à faire. Ça devait vous atteindre aussi. Vous le dites vous-même. Enfin, il y avait ce sentiment de honte. Vous avez honte aujourd'hui parce que on a toujours honte d'avoir honte de ses parents. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ça crée de la culpabilité. Mais ça devait être terrible pour vous d'avoir une mère en aussi grande souffrance. Ouais, honnêtement, les choses sont pas simples, mais quelle vie. J'ai l'impression qu'en fait, le fait d'avoir su ça,
m'a permis de la regarder autrement. Oui. Comment vous l'avez appris, puisque c'est très récent, vous dites il y a 5 ans seulement, donc ce n'est pas elle qui vous en a parlé. Non, c'est une amie à elle qui m'en a parlé et elle, après, quand elle a su que je le savais, elle me l'a hurlé, en fait, elle me l'a dit. Ah oui. Mais elle vous l'a dit en hurlant. Enfin, c'était. Ouais. Ouais, ouais, elle n'était pas dans son état normal parce qu'elle n'a jamais pu aborder le problème. Les problèmes, elle les a toujours fuis parce qu'elle ne pouvait pas exprimer. Tout ce qu'elle exprimait de vrai, elle devait boire pour le faire, en fait. C'était un peu particulier, oui, comme la démarche. Non, ça pouvait. Les inhibitions sont levées dans ces cas-là. Hein, donc, elle me disait que ça lui donnait confiance, en fait. Le fait de boire, ça lui permettait de prier les choses. Et tout ça, en fait, l'idée, c'était pas de. Enfin, l'idée, c'était juste d'aller dans le sens des personnes qui sont intervenues, parce que moi-même, je n'ai pas vécu ce genre de choses et je peux pas me placer à leur place. Mais l'important de dire, parce que quelque part, en fait, la honte que j'ai eue d'elle, c'était le double châtiment. Elle avait honte de ce qu'elle avait vécu et elle avait honte de. On lui rajoutait une honte de par son comportement qui était juste liée en fait à cette agression qu'elle n'a jamais pu dire ni à ses parents ni à qui que ce soit. Et elle a attendu, elle avait 15 ans, elle a attendu jusqu'à l'âge de 60 ans pour pouvoir le dire. Et pendant tout ce temps, elle a fui, elle n'a pas pu gérer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a détruit sa vie, ça a détruit la nôtre, ça a détruit celle de mon père, ça a détruit énormément de choses. Même à votre père, elle n'a pas pu en parler. Non. Mm. Non. Non, elle a vraiment gardé vraiment les choses. Oui, oui. Mais c'est vrai que, quelque part, il y a aussi des dégâts collatéraux. Il y a la victime, mais il y a aussi sa famille. Ce que je voulais dire ce soir, c'était que j'ai porté un regard sur elle différent depuis 5 ans. Et j'ai compris. Et c'est vrai que je suis heureuse d'avoir compris pourquoi elle était comme ça. Et ça m'a permis aussi de comprendre que c'était pas de notre faute. Et ça, c'était essentiel. Et c'est vrai que le fait de dire, je pense que ça doit pas être simple de dire. Ça doit pas être simple, mais je pense que le fait de dire, c'est peut-être pas simple, ni pour soi, ni pour les autres, mais le fait de ne pas dire, je pense que c'est pire. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on a vécu. Mais ce qui est terrible, c'est que souvent, les victimes parlent plus qu'on ne le pense, hein. C'est-à-dire quand ça se passe, au moment où ça se passe, ou enfin un peu en léger différé, mais on ne les entend pas. Ou si elles ne parlent pas, en tout cas qu'elles ne peuvent pas dire avec des mots, il y a un changement de comportement. On ne peut pas traverser telles souffrances, d'une telle violence, sans qu'il y ait des changements de comportement. Mais souvent, l'entourage est sourd et aveugle. Elle a fait l'anorexie à l'époque, à l'âge de 16 ans. Oui, il y a des symptômes qui parlent, qui crient, mais souvent, l'entourage reste sourd et aveugle. Et c'est ce qui est terrible après, parce qu'une fois, quand on n'a pas été entendu au moment où ça s'est passé, ça devient très difficile de parler après. Comment parler de l'indicible, de l'impensable? Comment mettre des mots sur ce qui est de l'ordre de l'impensable, hein? Bah, elle a jamais pu. Et c'est vrai que, en fait, le message, c'est ça, c'est parler si vous pouvez parler, et aux autres, à nous, d'être attentifs aussi à ce genre de comportement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais c'est vrai que l'anorexie, en 1950, elle refuse de manger, elle fait un caprice. Oui, tout à fait. Moi, c'est comme ça que mes grands-parents me l'ont présenté. Donc voilà. Donc, mais c'est important ce que vous dites ça vous a aussi. Vous avez porté un autre regard sur votre mère à partir du moment où vous avez su ce qu'elle avait vécu, et puis ça aussi était libérateur pour vous. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas senti responsable de sa souffrance. Et ça, c'est très important parce que les enfants se sentent responsables.
souvent. Moi, j'ai fait la paix grâce à ça. En fait, j'ai réussi, et oui. C'est en ça que c'est important. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un regard sur ma mère, j'ai un regard sur ma famille et sur ma vie, complètement beaucoup plus apaisé, parce que, évidemment, c'était pas gay, mais en tout cas, c'est expliqué. Je sais pourquoi, et c'est pas de sa faute. Enfin, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas été une jeune fille sympathique qu'elle s'est comportée de cette façon. Ça m'a permis d'avoir une explication. Alors, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi, ça m'a permis beaucoup, et puis même de me rapprocher d'elle. Et en tant que femme, je me suis sentie plus proche d'elle en sachant ça, en fait. C'est vrai que les choses sont beaucoup plus faciles à gérer. Je ne sais pas si je dois le dire, parce que ça va peut-être faire un petit peu... Je ne sais pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y en a qui n'ont pas attendu d'avoir cette information. Il y en a qui n'ont pas supporté... les conséquences, en fait, de cette agression et de ce traumatisme, parce que chacun a sa façon de gérer une agression. Il y a des gens qui s'en remettent très bien, d'autres pas. Et c'était plutôt son cas. Il y a des conséquences, en fait, Oui, vous parlez de dégâts collatéraux. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai attendu de savoir, et aujourd'hui, je comprends mieux les choses. En revanche, j'ai ma sœur qui était plus âgée que moi, qui en fait a très mal géré le fait d'avoir une mère qui était qui allait aussi mal. elle a très mal géré les choses et sans accuser qui que ce soit et sans faire de lien, c'est une personne qui a fait une dépression. Oui. À l'âge de 25 ans. Votre sœur, hein ? Oui. Oui. Oui, parce qu'elle s'est sentie abandonnée, elle s'est jamais remise, en fait, de... Mais vous l'étiez, d'une certaine façon, sur le plan moral. Votre mère ne pouvait pas s'occuper de vous. J'étais la dernière, donc peut-être qu'en fait... Elle est l'aînée, votre sœur ? Oui. Oui. Ouais. Enfin, j'allais dire elle est, mais elle était, parce qu'elle s'est jamais remise non plus de sa dépression, et en fait, elle a mis fin à ses jours à l'âge de 25 ans parce qu'elle supportait plus de vivre. Elle a pas supporté, en fait, le. Elle était peut-être fragile aussi, mais je veux dire, quoi qu'il en soit, c'est dramatique. Il peut y avoir des conséquences sur plusieurs générations. Donc moi, je. Donc c'est un, je comprends je d'autant mieux, bien. Oui, quand vous dites l'important dans, oui. Oui, oui, ben oui, il y a des, de toute façon, de parler et de, parce que c'est un secret aussi, hein. C'était un secret de votre mère. Il y avait un secret, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais pu dire. Et on sait à quel point les secrets de famille peuvent être dévastateurs pour la personne qui est directement liée à ce secret, mais aussi pour les descendants. Bah voilà, c'est un peu l'idée. Donc et parler, oui, c'est prévenir. Parler aussi pour les générations suivantes, mettre des mots sur ce qui a été vécu, même de terrible. Et puis la remercier aussi, enfin, en tout cas remercier la personne, son amie qui me l'a dit, parce que en me le disant, elle m'a permis de comprendre et de cette façon, ma mère a pu me dire aussi parce que ça avait déjà été dit. Parce que donc elle avait pu, cette amie avait recueilli les confidences de votre mère. Et elle me l'a dit, en fait. Oui. Et c'est comme ça que voilà. Et c'est voilà. Ce qui devait pas être facile, ce qui devait pas être facile pour elle, parce que quand on recueille de telles confidences, on s'en sent dépositaire et on se dit de quel droit pouvoir en parler. Mais si elle vous l'a dit, c'est qu'elle sentait que c'était important pour vous. Elle me l'a fait comprendre, en fait. D'accord, elle l'a suggéré. D'accord, c'est différent. Elle l'a suggéré. Oui. Et moi, elle me l'a suggéré et moi, je l'ai verbalisé. Oui, et elle m'a dit oui, c'est ça. C'est quelque chose que vous ressentiez, que vous saviez. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ça n'a pas été une révélation. Mais je me suis dit, autant de douleur et autant de destruction, ah bah, ok, j'ai la réponse. Oui.
C'est quelque chose que vous pressentiez, enfin, que vous saviez d'une façon un peu inconsciente. Bah, je me suis dit qu'il devait se passer quelque chose d'assez grave pour que une personne qui était adorable, intelligente, superbe, enfin, je veux dire, se détruise. Oui, se détruise de cette façon-là. Mettre autant d'énergie à se détruire. Complètement, mais c'est exactement ça. C'est d'une violence, c'est extrême. Mmh. C'est vraiment, c'est difficilement concevable. Mais l'idée étant que voilà, je remercie la personne qui me l'a suggéré. Je suis contente d'avoir une information parce que ça m'a rapprochée de ma mère et ça, je pense que j'en avais besoin. Pour elle, ça doit être important aussi, oui. Ouais, il faut parler et puis être attentif, c'était l'idée. C'était l'idée de mon témoignage en fait. Oui, je comprends. Il y a Margaret qui dit qui est très émue par votre témoignage et qui dit en tout cas vous êtes une fille formidable, vous dit Margaret. Une fille au sens de vous voyez, la fille de votre mère. Ça n'a pas dû être facile, toujours. Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, je le suis et j'ai plus honte. J'ai plus honte et honnêtement, très très égoïstement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai plus honte et je vis plus avec. Je ne suis plus la fille d'une alcoolique. Je suis la fille d'une personne qui a été agressée, qui a été violée, qui a été détruite. Et ça, pour moi, c'est complètement différent en tant que femme en plus. C'est le regard que je porte sur moi et. Mais oui, parce que c'était une image très dévalorisée que vous aviez de votre mère. Très abîmée, très dégradée, et qui se répercutait sur vous. Parce que vous-même, vous vous demandiez jusqu'à quel point est-ce que c'est. Parce que vous pouviez vous vivre comme une mauvaise fille aussi. On a l'impression de passer derrière l'alcool, donc c'est pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme si vous ne comptiez pas, vous n'aviez pas d'importance, vous n'étiez pas. Pour que votre mère se détruise comme ça, ne s'occupe pas de vous pour s'alcooliser. Là, déjà, ça prend sens. Et puis, c'est difficile aussi d'avoir une bonne image de soi quand on a une image aussi dégradée de son père ou de sa mère. Donc, ça donnait du sens à tout ça. C'est ça. Et quelque part, alors, c'est très égoïste parce que j'aurais préféré ne pas savoir à qui il ne se soit rien passé, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a apaisée parce que on reçoit pas d'affection, mais on n'est pas obligatoirement responsable de ça. Non, bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a, sans l'excuser, mais ça m'a permis de la comprendre. Vous ne pouvez pas refaire l'histoire, mais ça permet de comprendre et que vous n'avez aucune responsabilité. Oui, c'est ça. Vous auriez eu une autre personnalité, vous auriez été enfin un autre que vous, une autre enfant que vous, ça aurait été pareil. C'était ce qu'avait vécu votre mère qui l'avait détruite. Et vous savez, c'est tout bête, mais quand on parle de la parole, pas pour dire n'importe quoi, mais elle a pas dit. Ma sœur a pas dit. Cette amie a parlé et moi, honnêtement, aujourd'hui, si je vais bien, c'est aussi parce que j'ai pu trouver des professionnels à qui parler, parce que j'aurais pas pu. Je pense pas que ça corresponde à chaque problème et à chaque personne. Il y a des gens qui ne peuvent pas partager, qui ne peuvent pas dire, j'en conviens, mais j'ai dû parler pour pouvoir vivre ça. Reconstruire votre histoire, votre... Ouais. Ouais. Mmh. En tout cas, chez nous, c'est passé par la parole et c'est un peu ça l'idée de ce soir. Donc si on pouvait se mettre à parler et être attentif les uns aux autres, potentiellement, ça marche, ça fonctionne
Et on arrive à dépasser des choses qui sont pas toujours très simples à dépasser. Et ça montre malheureusement tous ces témoignages que quand on parle de la violence et qu'on vit dans un monde de plus en plus violent, on oublie de dire que la principale des violences s'exerce au sein des familles. On parle toujours de la violence et elle existe. Il ne s'agit pas de la nier, hein, la violence de la société, la violence comme ça qui proviennent d'agressions extérieures, mais les violences principales ont lieu au sein des familles. J'ai l'impression que c'est celle dont on parle le moins en plus. Ah, mais oui, mais ça remet beaucoup en question. Puisque ça remet beaucoup en question. C'est-à-dire les enfants qui sont victimes de violences de la part de leurs parents, les maltraitances physiques, les violences sexuelles et la violence au sein du couple. Mais c'est vrai que il est plus facile de désigner comme ça un agresseur, un bouc émissaire extérieur, que d'analyser qu'est-ce qui est en jeu dans ces relations-là. Ces relations de pouvoir, c'est bien sûr. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'en parlant, on casse la famille. Donc c'est une double. Pour un enfant, c'est. Mais quand c'est-à-dire même... que. Non, mais on. C'est pas. C'est on casse la famille. Quelle famille? Il y en a pas, mais c'est ça. C'est-à-dire l'enfant, c'est ce qui est terrible. L'enfant, quand il parle, a souvent l'impression, et si le par exemple le père incestueux est condamné, va en prison, et il peut avoir le sentiment que c'est lui qui est à l'origine de ça. Mais ce qui est à l'origine de ça, c'est l'acte, c'est l'inceste. C'est l'inceste qui casse la famille. Ouais, mais c'est pas le fait de parler. Oui, mais l'enfant, il y a toute une aide à apporter en disant que remettre les choses à leur place. C'est pas lui. On parle de quelle famille ? Bah, il y en a pas parce que justement, c'était le frère, pardon, de sa mère, et c'est vrai qu'elle s'est sentie dans l'incapacité de dire. Et c'est voilà, ça s'est passé il y a maintenant 50 ans. Donc l'idée c'est de faire peut-être autrement. Oui, mais ça continue malheureusement. Hein. Les enfants victimes d'attouchements, victimes d'abus sexuels, enfin au sein de leur famille, ça continue. Mais ce qui reste à espérer, c'est qu'on puisse en parler et que personne ne se taise quand il y a des soupçons tels que ceux-là. Parce que comme dit Poupie, qui dit ce sont les mensonges et surtout les non-dits qui détruisent et empêchent d'évoluer. Merci d'ailleurs à Zélie qui a donné le numéro d'SOS Inceste, qui est le 04 76 47 90 93, 04 76 47 90 93. Et c'est aussi www.sosinceste.org. Voilà. Merci Hélène d'en avoir parlé ce soir. Merci de m'avoir écouté, Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche sur Europe 1. 39, 21, 34 centimes la minute. Quelqu'un dit « Vous faites preuve d'une grande lucidité à propos du témoignage d'Hélène et votre témoignage, on l'espère, incitera beaucoup d'autres personnes à aller parler. » Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, bah écoutez... Je m'attendais pas du tout à vous téléphoner. Mmh. Et qu'est-ce qui fait alors que vous avez appelé? Bah, c'est le témoignage de la jeune femme, la première. De Patricia. Le premier témoignage donc qui avait des parents qui étaient je sais pas comment vous parlez, enfin, je sais pas comment. Bah, très maltraitant. Oui, très maltraitant. Voilà, et je sais pas, elle a dit quelques mots qui m'ont rappelé une histoire qui est la mienne et qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui, parce que donc aujourd'hui j'en ai 53 ans et en fait j'ai fait une dépression je suis en dépression depuis un an et demi et pendant cette dépression donc cette affaire est ressortie.
dans ma tête. Et de quelle affaire parlez-vous ? Alors donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'avais, donc je me suis mariée très jeune, quand j'avais 18 ans. Oui. Et j'ai eu une fille donc 20 ans. Et je me suis séparée de mon mari donc 3 ans après à peu près. Mm-hmm. Et donc j'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai commencé une relation. Et donc je devais avoir 22-23 ans je crois. D'accord, oui. Et c'était quelque chose de nouveau, très fort pour moi, etc. C'était quelqu'un qui était différent de ma culture. On n'est pas la même religion, la même culture, etc. Et puis, donc pour moi, c'était pas facile de vivre cette relation. En plus, j'étais en divorce, j'avais une petite fille que j'ai élevée presque toute seule. Donc j'ai quitté ma région pour j'ai quitté ma région, enfin bref, oui. pour vivre cette histoire et m'occuper de ma vie, de ma fille, etc. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que ce garçon, moi je le trouvais, il était intéressant, il y avait des choses qui me plaisaient chez lui, mm-hmm. mais j'avais quelque chose qui j'étais manipulée par. Pas manipulée, mais par rapport à ma culture, j'avais été élevée où on n'avait pas le droit d'être avec quelqu'un d'autre que sa tribu, enfin, son ethnie, ses origines, etc. Donc c'est venu gêner ma relation donc, avec cet homme. Et donc j'ai rompu. Il y a eu des discussions et ce que je me souviens, c'est que on avait une relation. Enfin, je pense que lui m'aimait beaucoup. Moi, j'arrive pas vraiment à me souvenir. Bah, vous semblez, vu ce que vous en dites, quand même, cet homme vous a marqué, puisque d'ailleurs vous y repensez toutes ces journées, toutes ces années après. Oui, mais c'est pas. Mais oui. Je vous ai pas raconté tout le reste. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, on a rompu. On a rompu, mais on n'a pas terminé la rupture. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de discuter. Il venait... on avait... Mais c'est vous qui avez rompu, d'ailleurs. Vous me c'est dites moi, on a rompu. C'est moi. Oui. Oui, c'est moi qui ai rompu. Et si je me souviens, parce que ça fait quand même 30 ans... Mais vous ne lui avez pas dit pourquoi ? Si, il y avait une difficulté par rapport à l'interdit de mes parents... Hmm. J'étais pas mature, j'étais pas autonome intellectuellement, etc. J'étais encore sous l'emprise de ma famille. Même si j'étais mariée, divorcée, avec un enfant, j'étais pas... Oui, votre famille, ce que pensait votre famille comptait beaucoup. Voilà. Et donc on est resté, je veux dire, à peu près, on va dire, presque une année. Et donc on a rompu, mais il venait à la maison. Et je sais plus quand c'est passé. On n'avait pas fini une rupture, ça se discute quoi. Enfin pour moi. Mmh. Pas toujours. Voilà, pour moi ça doit se passer comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma sœur qui est venue chez moi. Mmh. Donc qui habitait pas la région où j'habitais, elle avait fait quand même. Il y avait 4-5 kilomètres. Hein. Elle est venue à la maison et je me souviens, c'était justement à l'époque des SOS racisme, les manifs, tout ça à Paris. Je me souviens. Donc ma fille était sur ses épaules. Donc je me souviens de ça, parce que j'en ai 53 aujourd'hui, hein. Donc ça fait 30 ans. Je me souviens que ma gamine était sur les épaules de qui ? De ce garçon ? De ce garçon. Mmh. Et ma sœur était venue me voir avec un ami à elle. D'accord. Et dans la foule, comme ça, j'ai vu à un moment, mes souvenirs me reviennent. Parce que ça m'a choquée en fait. J'ai eu un choc énorme. C'est comme une violence très forte. Et en fait, ma sœur est sortie. Et ma sœur avait. Ils avaient la main dans la main. Voilà. Pendant cette manifestation.
pendant cette manifestation, oui. Il s'est passé quelque chose entre ma sœur et ce garçon. Alors que moi, je n'ai pas terminé. Je dirais que je me suis dit... de toute façon, je n'ai pas de réponse à cette histoire. Puisque cette histoire, elle s'est arrêtée. D'abord, on s'était fâchés. Je lui ai dit que je ne voulais pas et que... Vous êtes fâchée avec votre sœur ou avec cet homme? Ou avec les deux? Non, avec cet homme. Oui. Ma sœur, après la manifestation, quand vous les avez surpris main dans la main. Oui, oui, moi, je n'étais plus... Non, pas... quand on était à cette manif, on n'était plus... séparée de cet homme. Non, mais j'ai bien compris. Oui, j'ai compris. Vous étiez séparés, mais pour vous, dans votre tête, vous n'étiez pas vraiment séparés. Oui, donc... on n'est pas. Non, c'était très frais. C'était... Alors, ce qui vous a choqué, c'est donc de surprendre votre sœur et cet homme main dans la main. Vous en avez parlé avec votre sœur? Comment? Vous en avez parlé avec votre sœur? Non, justement, c'est ce que je disais à votre assistant. C'est très aimable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, de les avoir vus comme ça, ensemble, ça m'arrive. C'est un truc violent, quoi. Et en plus, ma sœur, vous étiez proche de votre sœur. On était proches, c'était ma sœur. Oui, donc c'est une trahison. Et à partir de ce jour-là, ça y est, c'est terminé, quoi. Autre chose. Ouais. Et moi, j'étais jeune, donc vous savez, on est dans la jeunesse, on se laisse transporter. J'étais dans la liberté, je veux dire, j'avais 23 ans, mais ça m'avait choqué, mais j'en parlais pas. Et donc, alors aujourd'hui, vous avez revu votre sœur? Mais non, mais vous êtes toujours fâchée. Mais non, mais c'est pas qu'on est fâché, c'est que moi, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur aujourd'hui, elle est toujours avec lui. Ah d'accord, ils sont toujours ensemble. Et oui. D'accord, mais je ne savais pas. Toujours ensemble, et ils ont 3 enfants. D'accord. Et ça a faussé toute la relation que j'ai avec ma sœur. Suite à ça, elle s'est installée. Elle s'est installée dans la région où j'étais. Et parce qu'elle était chez moi en fait, elle était hébergée chez moi. Elle s'est installée et très rapidement avec lui. Ils ont construit. Ils ont très bien réussi. Que ce soit au niveau professionnel, financièrement, tout quoi, les enfants. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Continue à vous faire souffrir, oui. Oui, je l'ai avoué. Mais c'est pas neutre, hein, parce que cet homme, vous y étiez très attaché. Hein. Et finalement, vous l'avez quitté parce que vous pensiez qu'avec votre famille, ça ne passerait pas, le fait qu'il soit d'une autre religion, d'une autre culture. D'après ce que je comprends, vous dites que c'est une des raisons qui fait que vous l'avez quitté. Et votre sœur, elle, ça ne l'a pas empêchée de sortir avec cet homme et de construire sa vie, puisqu'ils sont toujours mariés et ils ont des enfants. Voilà, donc l'obstacle que vous aviez mis, vous, ça n'en a pas été un pour votre sœur. Mais ce n'est pas étonnant que vous ayez réagi à... au premier témoignage de Patricia qui parlait donc de ses parents, de la maltraitance et de ce père incestueux, parce qu'il y a quelque chose en partageant cet homme, puisqu'à un moment ça a été votre amant et c'est devenu celui de votre sœur, il y a quelque chose d'incestueux quand dans la même famille, comme ça on partage le même homme par personne interposée. Mais je peux pas vous raconter toute ma vie, mais ça a été il s'agit pas de raconter toute votre vie, oui. Voilà, mais non, mais par rapport à cette relation. Oui. Mais moi, ça a faussé les choses. C'était un calvaire toute ma vie parce qu'au début, je l'ai supporté. Vous vous rendez compte, au début, c'était très dur pour moi de parce que je n'avais pas fini de discuter avec ce garçon. Mais vous n'avez toujours pas fini, semble-t-il. Hein. J'ai pas parlé ni avec ma sœur ni avec lui jusqu'à ce jour. Et là, j'ai décidé, quand j'ai fait ma dépression, d'abord, je suis toujours en arrêt. Et là, je suis un an et demi, je suis en dépression. Et en fait, c'est venu finaliser quelque part. J'ai pu dire
mon psychiatre, j'ai pu lui dire, mais on n'a pas encore discuté vraiment comme j'en parle avec vous. Mais en fait, ce que je sais, c'est que je me suis, moi, par ailleurs, quand je me suis remariée avec quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, et j'ai divorcé, et je suis tombée sur quelqu'un qui était violent, un pervers manipulateur narcissique, c'est du vrai, c'est pas ce qu'on en parle beaucoup, mais bon, bref, c'était vrai, ça s'est avéré que c'était ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte, j'ai pu, comment dire, dans cette dépression, dans cette séparation avec cet homme, j'ai pu dire non, j'ai pu mettre des mots sur cette violence de cet homme et de ma sœur, ils ont été violents avec moi, et que pour moi, c'est des pervers aussi, pour moi, quelque part. C'était, je jouissais de, parce que, comment dire, quand j'étais gamine, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a d'autres choses, certainement, parce que pour que, je comprends que ça a été très, très douloureux pour vous, mais pour que tant d'années après, ça soit autant une obsession, il y a quelque chose qui touche à la perversion, à la violence, et qui doit faire écho, comme vous dites, à quelque chose de votre histoire, voilà. Bien avant, de votre enfance. J'ai compris que cet homme, parce que, quand j'avais 23 ans, j'ai accepté parce que j'étais jeune, parce que je comprenais pas tout, je maîtrisais pas les choses. J'étais dans la tourmente. On est jeune, on vit, on est survolté, on fait plein de choses. Enfin, pas tous. Maintenant, je commence à comprendre. Comment ? Pas tous. On est jeune. Vous voyez, on peut pas faire de généralité sur les jeunes, comme c'est. Oui, mais moi, j'étais plutôt. Je goûtais. Vous étiez comme ça, voilà. Je vivais, voilà. Mais je vivais avec ça sans en parler, en fait. Et vos parents étaient au courant de ça ? Étaient au courant que... Alors, justement, c'est ce que. Parce que vos parents, que vous redoutiez par rapport au fait que cet homme ne soit pas de votre culture, de votre religion, comment ils ont réagi quand votre sœur leur a présenté comme son futur mari ? C'est imposé, ça n'a pas posé de problème. Mais moi, ce qui m'a gênée, c'est que pour moi, c'était tabou parce que c'était mon ex. Et je pensais à cette sexualité qu'on avait eue ensemble et qu'il avait avec ma sœur. Oui, c'est très perturbant. Bien sûr, c'est il y a quelque gênant, chose d'un peu incestueux. Oui. C'est très, très gênant. Et donc, moi, ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, mes sœurs et frères, j'avais des frères et sœurs qui étaient proches, qui sont toujours proches, qui connaissent l'histoire. Mais c'était tabou, on n'en parlait pas, c'était le secret de famille. Et c'est quelque chose qui me fait peur jusqu'à aujourd'hui, c'est un secret de famille. Parce qu'ils ont quand même eu 3 enfants et ça, c'est venu me perturber. Mais c'est pas un secret de famille là, puisque... En quoi vous pensez que c'est un secret de famille ? Parce que des membres de ma famille ne savent pas quoi ? Que vous étiez sortie avec cet homme ? Oui, et moi... C'est venu me perturber aussi dans mes relations. Non, mais vous, voilà, ça vous perturbe, il y a quelque chose qui n'est... Bon, mais ça doit faire écho à d'autres choses aussi, dans votre histoire, je pense, Brigitte. En fait, ça me perturbe, parce que quand je rencontrais, quand elle est sortie, donc, avec cette personne, moi, je n'avais plus... Quand je sortais avec des garçons, pour moi, je la présentais à cette sœur. Je présentais ces hommes, je venais avec mes copains, devant elle. Et pour moi, si ses copains étaient... Parce qu'elle était, elle est séductrice, en fait. Et donc, je sais que j'avais présenté un copain et elle a essayé de séduire, en étant avec mon ex. Et là, ce copain, je l'ai lâché. Et je lui ai dit, d'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai pu le retrouver, je lui ai dit. Et en fait, quand j'ai retrouvé un autre homme avec qui j'ai vécu très longtemps... C'est un des seuls hommes en qui j'ai eu confiance parce qu'il n'est pas tombé dans ses griffes. C'est une personne qui séduit, en fait. Ma sœur, voilà. Et donc, ça m'a... Vous avez combien d'écart avec votre sœur ? Elle doit avoir 4 ou 5 ans. Elle est plus âgée, c'est ça ? Non, c'est moi qui suis plus âgée. C'est vous la plus âgée, d'accord. Oui, mais moi, je suis proche de maman et elle avait un gros problème avec... Un problème avec maman. Mais il faut que vous parliez à votre psychiatre comme vous me parlez à moi de tout ça. Parce que là, il y a quelque chose d'une fixation sur cet aspect-là de votre vie et qui renvoie à la relation que vous avez avec votre sœur et que vous avez eu toutes les deux avec vos parents. Il y a quelque chose d'un point là de fixation qui n'est pas réglé du tout et dont il faut que vous arriviez à parler, puisque c'est avec votre psychiatre qu'il faut en parler.
Oui, j'ai mal au ventre. Et puis en plus, ce qui est embêtant, c'est que c'est dans ma dernière relation que j'ai eu là, mon dernier mari, qui était bon violent. Et je me suis rendu compte là que c'était, ces deux personnes-là étaient violentes aussi. Parce que quand ils s'embrassaient, quand toutes les deux. Oui, pour vous, ça a été une violence. Ça, mais on ne peut pas comparer les deux formes. Ça était quelque chose de cette promiscuité, le fait que vous ayez eu une intimité physique avec cet homme et que votre, cet homme en ait eu une après avec votre sœur. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très dérangeant, je comprends. Ça fait appel à une autre forme de violence, mais qui doit faire écho aussi à quelque chose de votre histoire dont il faudrait pouvoir parler, parce que c'est quand même très dommageable pour vous que vous restiez enfermé dans une telle difficulté après tant d'années. Bon courage, Brigitte. Au revoir.